suis scout, alors je me suis dit, bon, un camp de biologie, ça ouvre le panel de connaissances, alors pourquoi pas venir, je rencontre des gens au passage, je me fais des contacts, ça peut être sympathique. Une des missions de l'Académie suisse des sciences naturelles est l'encouragement de la relève. Et c'est pour ça que la plateforme de biologie organise chaque année une semaine qu'on appelle la Summer School pour des élèves de toute la Suisse pour explorer un sujet particulier de la biologie. Ceci peut être la neurobiologie, la biologie moléculaire, des insectes, des oiseaux, des plantes ou encore la microbiologie. La vallée de Piora a une situation géologique très particulière. Il y a des roches dolomitiques, donc sédimentaires, qui passent le long de la vallée. Et cette particularité donc influence aussi la chimique des lacs. Donc l'idée, à la fin de ce cours, c'est de donner aux étudiants une vision globale. Donc tout est connecté. La chimie, la physique et la biologie, et donc d'aller à la maison avec une vision nouvelle de la biologie. Ah. Yeah. Wow. Ce matin, on est sorti sur le lac pour mesurer la structure du lac Cadagno de façon chimico-physique avec un son multiparamétrique. Et d'après ces données-là, on va échantillonner à les profondeurs désirées pour après aller dans le laboratoire et faire les analyses microbiennes et chimiques des échantillons à différentes profondeurs. Ça, c'est un échantillonnage de l'eau de 13,5 mètres où on peut bien voir la couleur rosée qui s'est donné par les bactéries phototrophes rouges qui sont là-bas. Mit dieser Gruppe studieren wir die Entwicklung von Vegetation auf Felsflächen. Wir untersuchen, wie nackte Felsflächen zuerst durch Kryptogamen, vor allem Flechten, Moose, Cyanobakterien besiedelt werden und wie diese Vegetation sich allenfalls weiterentwickelt zu höheren Pflanzen. Wir werden insbesondere auch diskutieren, wie man die biologische Vielfalt in dieser komplexen alpinen Landschaft auf hohem Niveau langfristig erhalten kann, welche Rolle die Beweidung spielt und wie man allenfalls mit Schutzmaßnahmen einzelne Aspekte der biologischen Vielfalt hier erhalten kann oder schützen muss. Alors on va prendre des échantillons du ruisseau qui traverse la vallée aussi du Piora. Et ça va être une communauté des organismes, des algues, mais aussi des animaux très différents. C'est ce qu'on a regardé le matin, ou jusqu'avant, là, qui étaient des organismes du lac, du plancton. Alors voilà, maintenant on va faire le sentier didactique de Piora. On va aller se balader un peu tout autour du lac ici, essayer d'aller découvrir cet environnement pour pouvoir comprendre en fait pourquoi c'est particulier. On va faire un peu des tests avec de l'acide pour comprendre les différentes roches qui sont présentes. Et puis voilà, je vous propose de me suivre pour aller voir tout ça de plus près. Est-ce que c'est une manière un peu bizarre tout de même de passer ses vacances? Non, je crois pas, parce que justement on est à l'extérieur,
on voit des amis, du coup c'est pas purement biologie, apprendre. C'est aussi on peut jouer et puis on peut faire toutes sortes de choses. Zusammenspiel. Stratification. Interaction. Microbiologie. Lichen. Découverte. Fantastico. Paysage. Vielseitig. Zusammenhang. Subtilité. Diversität. Nature. Fascination. Wissenschaft. Piora. Merveilleux. Erfahrung. Passion. Coopération.